voulait dire femme en action contre la stigmatisation et la discrimination sexuelle. L'objectif FAC10, c'est aux femmes lesbiennes et travailleuses sexuelles qu'on ait droit. Moi-même, je suis lesbienne et je pensais qu'il faut nous avoir droit pour nous exprimer, pour nous faire ça nous voulons sans nous pas déranger personne, avec dignité et respect. On vit dans une société qui est très homophobe. C'est qu'on y a l'homme qui est homosexuel, il va avoir les amis, il va venir dans la caille, ou venir en danger, ou venir en danger social, en danger public. C'est entre nous que nous fonctionnons, c'est entre nous que nous vivons. La violence est terrible dehors. Les gens jouent, ils ont un coup de roche. Ou bien au piqué, ou bien au coup de manchette. Alors, violence est terrible de yon. Pour moi, comme si même marré, ou pas qu'à faire rien pour yon, je me sentis. Ouf! Des fois, je me crie. Pas qu'à faire rien pour yon, ça fait mal. La position contre violence qu'a fait sur LGBT, alors, je viens. Il n'y a pas quitté nous vraiment, non, mais il faut s'y poser parce qu'il y a une pile de déclarations qui fait, il y a une pile de mouvements qui fait sous violence qui a fait là sur nous. Alors, nous avons des cas énormes, mais le problème, non, il n'y a pas de faire suivi. Nous expliquons ça, certes, mais nous n'avons pas de faire suivi pour eux avec elle. C'est pour eux-mêmes, ils ont porté plainte. Mais ils peuvent porter plainte parce que la justice n'a pas fait rien pour eux. C'est moins question de homosexualité là, c'est une question de monde, c'est une question d'être humain qu'il a. Fais plaidoyer, dis homosexuel, leur joindre violence, pas peur porter plainte, pas peur aller dans le tribunal, aller la police. C'est pour nous caser pour ça n'a pas pour respecter droit homosexuel. Parce que nous c'est monde comme tout le monde dans la société. FAC10 là, nous formons mesdames, nous faisons formation en estime de soi pour expliquer comment pour exprimer que vous n'avez pas besoin de peur. Formation ça, objectif là, c'est pour nous comprendre droit nous, pour nous comprendre comment pour nous protéger tête nous, comment pour nous défendre nous. Alors nous même nous gommé là avec formation ça que nous allons recevoir, nous allons gagner des outils dans nous pour nous comprendre comment pour nous défendre tête nous. Face à la société homophobe, ça. Au début, là, nous faisons des FAC10, nous étions timidement, nous étions à 5, à 6, à 8, et puis nous venons à 10, nous venons à 30, nous étions à 100 bénéficiaires. Nous commençons à comprendre tête dans la société que c'est droit pour un choix sexuel, depuis que nous ne dérangeons pas le monde.